Thank you.
qu'avec, parce que je ne le connais pas beaucoup. Mais par contre, j'ai appris quelques trucs sur lui que je ne savais pas. Diplômé des Beaux-Arts de Lyon en sculpture et art déco. Voilà, ça, tout le monde ne sait pas. C'est vers la peinture qu'il s'est tourné. Il a fait des albums pour les enfants, mais aussi de l'art naïf dans les années 80 qui lui ont ouvert les musées de Saint-Pierre à Montmartre, musée d'art contemporain à Montréal, à Calgary. Mais en fait, c'est pas ça le bonhomme. Le bonhomme, c'est quelqu'un d'autre. Je crois que c'est plutôt avec un carnet de voyage à la main, découvrir un pays, une région, ou simplement le terroir des Corbières à explorer. Saisir des émotions, des couleurs, ce qu'il faut découvrir. L'exposition qu'il nous présente est une allégorie entre régions viticoles sur une partie, mais il n'a quand même pas oublié les voyages et cette envie de découvrir des cultures et des pays différents. Donc on a cette pluralité d'expositions avec des thèmes un petit peu différents et surtout un grand cœur. Qu'il partage avec nous au quotidien, qu'il partage dans son œuvre. C'est un spécialiste du couteau, et là, il n'y a pas une toile au couteau, voilà. Et il donne même des cours de couteau, et bien là, il nous a présenté autre chose, de l'huile, de l'acrylique, et le couteau, ben, il est resté dans la poche. Voilà, il m'a fait sûrement le fromage. Donc, il nous présente une exposition très cohérente, avec beaucoup de contrastes, très équilibrée, avec beaucoup d'émotions et de sensibilité. Félix, est-ce que tu peux nous lire un petit mot? Ah, c'est gentil. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Et à tous les chers alors.